avec maman et Vigelor Kameni, le cœur bat très fort. Action! Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai peur de rien et de personne. Moi que vous voyez là, je m'adresse aux mamans là, aux mamans de Suisse là, qui se permet de me comparer. Ma chérie, toi tu dis que tu fais dans la culture, fais attention. Fais attention, je peux te verser le sel sur toi comme ça. Et tes conneries que tu fais là, vos trafics énergétiques que vous faites, vous partez au Cameroun, tirer l'énergie sur les petits jeunes qui disent qu'ils veulent chanter, machin et tout, vous les videz d'énergie, vous venez ravitailler vos gourous en Suisse avec. Fais attention d'écrire mon nom en vain. Toi, si tu domines tout le monde, tu ne peux pas me dominer. J'écrase les gens qui dominent les gens. Fais attention de m'associer aux enfants. Tu te permets d'écrire sur ton mur que Laure Kameni, croqueuse de diamant. Je ne suis pas au niveau croqueuse de diamant, c'est une fille qui peut avoir l'âge de ma fille. Si tu as jeté la honte au chien, fais attention, ma chérie. Fais attention, tu es en train de marcher sur un terrain qui glisse. Ce n'est pas ta rose croix de Suisse que tu es dedans là. Arrête-toi là, fais attention. Si tu ne fais pas attention, je vais t'éteindre. Tu ne vas plus jamais avoir la lumière. Parce que je sais là où vous puisez vos énergies. Et je peux vous attendre à la source. Donc, n'associe jamais mon nom. Tes conneries que tu fais là, arrête-toi là. Moi, je ne me suis jamais intéressé à ta vie de merde que tu mènes sur les réseaux sociaux, soit disant que tu promeus la culture. Derrière la promotion de la culture, tu vides les jeunes de leurs énergies. Je le sais. Est-ce que tu m'as entendu parler? Et je vais parler, avant de commencer, je vais parler à Manakolo Linga. Manakolo Linga, petit frère, tu as l'âge de mon fils. Mon fils a 24 ans. Il vit à Toulouse en France. Je me suis battu pour mon enfant. Tu sais, tu as une belle muse. Tu es un garçon plein d'avenir. Je t'avais écrit sur ton mur des choses qui se passent maintenant. Donc, aller en Europe te pavaner avec tes pieds, tes fesses qui pèsent 2 grammes, ça ne m'impressionne pas. L'Europe ne m'a jamais impressionné. Et les Français savent qu'ils ne m'impressionnent pas. Ça, je leur ai déjà dit. Ils ne m'impressionnent pas. Alors, quand tu parles de moi, tu dis la mère là, la femme là. Quand tu es parti entrer dans tes loges, je suis là parce que vous croyez que vous allez vous intéresser, je vais m'intéresser à vous. Vous ne valez rien du tout, en fait. Parce que, je vais vous expliquer, c'est pas que je me mets au-dessus de mes compatriotes, non. Le monde est dominé par le spirituel. Et comme vous avez vendu vos âmes au diable, vous n'avez aucune crédibilité devant moi. Je vous dépasse parce que je suis libre d'aller et de venir comme je veux. Est-ce que tu as compris, Manakolo Linga? Les loges que tu es parti entrer dedans là, parce que tu étais parti entrer dans les loges, tu dis la femme là, tu crois que tu arrives en Europe, tu t'amuses, je ferme le ciel de l'Europe sur ta tête. Tu vas galer. Tu as vu certains, tu as vu les pingis. Nanana, pingis. Oh lolo, pingis. Ils sont arrivés en Europe, ils sont éteints, non? C'est ici que ça va se passer. Toi, tu peux entrer dans les loges. Le jour où tu signes le papier dans les loges, tu pars, tu portes un vieux caleçon. Un vieux caleçon comme ça, là. Et tu parles de moi aussi avec autant de légèreté. Moi, malpropre comme ça. Tu parles de moi, tu parles d'un grand esprit. Parce qu'au Cameroun, on vous a appris à piétiner les grands esprits qui peuvent vous ouvrir certaines portes spirituelles. Toi, tu vas parler, Manakolo Linga, tu as l'âge de mon fils. Si tu te mets devant mon fils, il t'écrase avec un coup de poing. Toi, tu vas parler d'un grand esprit, de mon acabit, avec autant de légèreté. Une raclure comme toi qui est parti entrer dans les loges. Pourtant, je t'avais averti sur ta page que on va te proposer d'entrer dans les loges. Ne le fais pas parce que tu as l'étoile, ton temps a sonné, ton temps de chance. Tu es quitté, tu es parti, tu te pavanes. Maintenant, ton étoile là va s'éteindre. Tu vas revenir comme avant, tu vas rester dans l'obscurité. Toi, tu vas parler de moi avec autant de légèreté. Mais à un moment donné dans ce pays, il faut qu'on se parle en face. Il faut qu'on se respecte. On est dans un pays où une raclure, il peut signer les pactes, mais attendez, je vais vous poser une question. En fait, vous me reprochez quoi? Le fait que j'ai attiré l'attention des enfants sur le fait que les loges qu'ils entrent dedans, là, on les trompe. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes, moi je suis sérieuse dans ce que je fais. Les petites raclures qui étaient sur le net, elles avaient organisé un rap spirituel et elles partaient au Bénin, au Togo, elles partaient prendre des mauvais esprits là-bas pour venir à, c'est-à-dire, pour venir dominer leurs compatriotes. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Ne donnez plus les litchis aux gens. Les gens utilisent votre propre argent pour aller faire des incantations sur vous. Si ce n'est pas que c'est un problème de malheur, ou bien on veut soigner quelqu'un, ne donnez plus vos litchis aux femmes qui sont sur Internet là. Ne leur donnez plus. C'est vous-même qui cherchez vos problèmes.
Est-ce que vous savez qu'avec votre argent, on peut vous contrôler? L'argent équivaut à la sueur de ton front. Regardez, moi je travaille non-stop depuis 10 jours. Je prends mon argent, je ne vais pas donner aux saletés qui veulent donner les leçons aux gens sur le net. Elles veulent donner les leçons aux gens, mais elles ne sont pas capables de se lever le matin pour aller travailler. Mais vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Ne donnez plus les litchis aux gens, sauf si c'est pour une vraie et bonne cause. Et même si vous voulez donner ça, renseignez-vous d'abord. Arrêtez que ces raclures partent au Bénin, au Togo, et partent vous conditionner là-bas et vous leur donnez l'argent tout à azimut. Elles ont dit que j'avais escroqué, mais ce sont elles qui commandent sur le net tout le temps. Elles sont dans la misère, la pitance. Elles ont faim. Elles ont une faim sans fin. Elles sont affamées. Mais l'apparence parfois est trompeuse. Qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire à Kamini, Ouedraogo, Kaltouma, Eve, Absatou? Vous allez me faire quoi? Mon nom c'est Edwige Lor Kamini, Ouedraogo, Eve, Absatou, Kaltouma. Vous allez me faire quoi? Vous blaguez, on est encore là pour longtemps. Alors, moi, je voulais vous dire ceci. Occupez-vous de vos oignons. Si vous voulez continuer, les femmes du net là, si vous voulez continuer votre mendicité, prendre l'argent des innocents pour aller faire les incantations au Bénin et au Togo, laissez mon nom. Mon nom porte autant bonheur qu'il peut porter malheur. Il y a des gens qui sont retrouvés à 2 mètres sous terre parce qu'ils ont prononcé mon nom en vain. Je les connais. Ce savon que vous voyez devant moi, dont je vous parlais, que vendredi qu'on annonce la mort de notre frère, j'étais à une conférence de presse de ce savon. J'utilise ce savon depuis pratiquement 7 mois. Parce qu'il m'avait contacté pour la publicité de ce savon. J'ai dit, je ne fais pas la publicité d'un produit que je n'ai pas utilisé. Ils m'ont envoyé ça. Comme vous pouvez voir là, j'ai une quantité, une bonne quantité à la maison. Voilà, c'est le savon de toilette. Donc, ce savon que vous voyez là, la conférence de presse était vendredi passé pour présenter ce savon publiquement. Présentement, ça se trouve dans tous les parfumeries, les points de vente des produits de beauté. Et c'est un produit du meilleur salon. Je peux même dire le meilleur. Hein? L'un des meilleurs salons actuellement à Bafoussam, qui est au niveau de Djelensin, à côté de Saint James, de Mana House. C'est le meilleur salon actuellement à Bafoussam, sans concurrence. Voilà le savon qui vient de mettre sur pied. Un savon qui vient, je ne vais pas dire si c'est un savon qui lui tonque les boutons, qui lui tonte ceci, puisque c'est un savon qui vient résoudre les problèmes, les difficultés, les problèmes que les autres savons ont créés sur vous. Vous n'avez pas constaté que je suis devenu mignon, vrai, comme mon nom l'indique là. Très beau. Regardez, l'année passée, j'avais des taches. Quand je faisais les vidéos, j'étais... Mais vous voyez comment il rayonne. Mais je brille, non? C'est le savon-ci. C'est un savon rajeunissant également. C'est un savon anti-tache. Donc, ça lutte contre beaucoup des imperfections, là. Vous allez voir mon image. Vous voyez celle qu'on a choisie pour représenter les génies du savon. Vous voyez comment elle brille. Et c'est ce savon qu'elle utilise depuis plus d'un an. Ce qu'elle a dit pendant la conférence. Et on voit bien comment elle est jolie. Et c'est grâce à ce savon. Je vous conseille donc désormais, c'est pour tout le monde. Enfants, femmes, hommes, tout le monde. Tout âge. Vous pouvez utiliser ce savon. Et ce savon coûte seulement 4000 francs. Vous savez que des bons savons comme ça coûtent dans les 8000, 10000, 7000, c'est 4000. Peu importe où vous vous trouvez, que ce soit en Bénin, que ce soit au Cameroun, peu importe, même si vous voulez passer la commande. Et vous savez bien que je ne communique pas sur un produit qui n'est pas bien et que l'État n'a pas contrôlé. Savon de Mana. Je rappelle que l'Institut qui a mis ce savon sur pied s'appelle Mana House, Institut de Mana House, qui est spécialisé dans les soins corporels, massage, relaxation, massage thérapeutique, make-up pro, traitement de cheveux, soins de visage, service à domicile, coiffure mixte, onglerie, pédicure, extension de cils, traitement de cheveux, hammam, manucure,
vente de produits cosmétiques. Ils sont également spécialisés dans les formations. Donc, pour ceux qui sont du côté de l'Ouest, qui veulent se faire former en esthétique générale, coiffure professionnelle, graphisme de production, secrétariat bureautique, secrétariat bilingue, dirigez-vous du côté de St. James Shaw Mana, de Mana House, le meilleur salon de coiffure hommes et femmes. Centre de formation également. Il y a les contacts là pour avoir plus d'informations et plus de renseignements. Vous les appelez via les numéros qui s'affichent au bas de cet écran. Je reviendrai pour vous parler encore bien de ce savon. Parce qu'il faut que tout le monde, tous mes fans, commencent à utiliser ce savon pour être mignon comme Franco le mignon. Merci de partager la vidéo. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.